YouTube, on est vendredi, puis il y a vraiment un esprit des fêtes chez Sidley. C'est la folie, même s'il reste encore toute la semaine prochaine. J'ai reçu un gros cadeau aussi que j'ai pas ouvert encore, mais bientôt. Mais je vais vous montrer le bureau des productrices qui est à côté du mien. Ils ont fait un mini-bar des fêtes. Je devrais spécifier qu'on est l'après-midi, là. Il est 3h. Alors déjà, il y a ici du ghee pour donner des becs au monde. Alors, c'est le bar clandestin Sidley, des productrices. Dans le super bureau d'Isabelle Brosseau, qui est comme vraiment pépé. Oh mon Dieu, il y a même des bas de Noël. Allez-vous les remplir avec des cadeaux? Voilà, voilà. Bon, hey, ça a l'air fou de bar, ça, c'est quoi? Mais il y a aussi des boissons comme ceci, du rhum. Vous êtes festive, pas près près. Hein? Maria Carey, elle n'a rien contre vous. Moi, je vais prendre un eggnog. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Non, c'est pas pire, hein? C'est bon. Ouh, alcool. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les nouveautés de Natrel qui ont sorti des beurres. Ça ici. Sans lactose. Celui-là est salé. Ça, c'est quoi? Ah, ils m'ont fait des petits kits. Des dates. On dit, ça fait des bruits bizarres, ça. Fait que ça, c'est des dates. Ça, c'est de l'avoine. Ça, c'est un party! Puis il y en a d'avoir plein d'autres choses. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tous les petits trucs pour la pâtisserie. Puis il doit y avoir un autre. Ouais! Fait que c'est pour essayer les beurres, les nouveaux beurres. Justement, essayez ça pendant le temps des fêtes. Fait que dans le fond, c'est un kit pour faire des carrés aux dates. Puis regardez comment c'est beau. J'ai comme un genre de petit morceau de tissu, style chemin de table aux couleurs des fêtes qui va avec ça. Aujourd'hui, c'est comme la journée des beaux colis bien emballés. Là, j'ai eu celui-là aussi. Regardez ça, la belle boîte. Enfin, on va l'ouvrir aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tilia. Ah oui, je les ai vus sur Instagram de mon amie Catherine. Ça, c'est une marque de thé premium du Ceylan, je pense. Ah, merci beaucoup. C'est toutes les sortes. Ah, regardez comment c'est beau. Ça, j'imagine que ça doit être une petite tailleur, quelque chose comme ça. Je vais l'ouvrir chez moi. Hey, waouh! Je suis tellement contente! Hey, j'en ai pour l'hiver, hein? What? C'est un peu la folie. J'ai reçu deux autres colis. J'ai reçu une collection de Marcel, les nouveautés pour le printemps. J'ai reçu, vous verrez pas, là, mais c'est une boîte, je vais l'ouvrir. En tout cas, c'est une nouvelle bougie, des nouvelles collections, des bougies Ville-Marie, les bougies québécoises. Je suis full excitée. Ils m'ont envoyé Scout, je pense. Salut M, te souhaitons de joyeuses fêtes en espérant que la bougie te plaise. Ici la petite histoire, c'est full beau. Ah, puis ils m'ont envoyé la grande, c'est tellement fin. Regardez le logo. Ça, c'est Ville-Marie. Oui, c'est Scout. Note de fumée, sapin et bois de santal. C'est des bougies de soya, ça, donc ça brûle super clean. Excusez-moi, il y a vraiment beaucoup de bruit à côté de mon bureau parce qu'elle est partie, là. Ça, ici. Ah, regardez moi c'est beau avec le petit top en bois. Wow! Ah, oh, je les aime tellement, ces chandelles-là. Bougie, excusez. Je vais la sentir, voir. Oh my God, ça sent le feu de foyer dehors. Oh, tu sais, quand tu vas à la cabane à sucre, puis tu restes juste dehors parce que ça sent trop bon, le feu de camp qui brûle. Ah, oh, la résine de sapin. Les tisons, c'est malade. J'ai vraiment de l'allumer, celle-là. Dans la boîte de Marcel. Wow! OK, ils m'ont tout envoyé. Regardez ça, c'est toutes les nouvelles collections. Ça, c'est quoi? C'est cool! Ah, c'est du remover pour les yeux. Remover à maquillage pour les yeux. Les nouveaux... Ah, c'est la collection de Karine Vanas. Ben oui, elle est là! Allô, Karine! Puis ça, c'est un mascara. Plein de choses. L'exfoliant. Il y a des trucs. L'exfoliant, il me semble, il existait déjà. Je me trompe peut-être. Puis ça, c'est la crème City, qui est un truc pour protéger la peau contre les méfaits de l'environnement méchant. Je vais plus regarder ça chez nous, là, mais wow! Allez, merci Marcel!
T'es comme passé devant mon bureau, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est Noël. Veux-tu recréer ce que t'as fait? Parce que c'était vraiment trop drôle. Genre, j'étais juste en train de regarder mon écran quand tout à coup. C'est trop random. Une jolie tenue des fêtes. Je sais pas, elle va me m'aller dans sa tête, voir. Mais c'est parce que ça va peut-être coller. Il y a des petits collants. Ouh! On est festif. Hey, on fait le thumbnail comme ça. Ouh! Je sors de la Gabrielle Chalifou mobile. Je suis avec Gabrielle Chalifou. Bonjour! On est chez Mondou. Puis Mondou qui ont des belles affaires ici. On s'en va acheter de la bouffe à chat. Après ça, on s'en va chez nous pour une petite soirée sushi sous le sapin. Il y a un genre de lingue sur ça. Wilderness. C'est pas interdit d'avoir ça chez soi. Ouh! Shit local. Ça, c'est le genre d'affaires que t'achètes full contente, puis ton chat s'en sert deux fois. Ça, ça a l'air le fun. Par exemple, tu mets des treats, là, puis ils cherchent où. Pourquoi t'achèterais une brosse à dents à chat? Don't do it! Non. Pourquoi c'est si drôle? Je me sens douillée. On est à la maison, je suis avec Gabrielle, puis elle découvre mon sapin. Hein? C'est comme le sapin de mon enfance. Oui. À chaque fois que tu le regardes, tu découvres des nouvelles choses. En fait, j'ai découvert les cadeaux. Oui, j'ai dit à Gabrielle qu'elle pourrait se prendre un pétard. Quand j'ai un pétard l'excitant. Un pétard pour un pétard. Il y a des cannes de bonbons aussi, c'est oui, super fun. Oui, mange-les pas, elles sont vraiment vieilles. Puis moi aussi, j'avais comme le petit train en bois comme ça, j'avais ça chez ouais. nous. Pip, pip. Mais comme à travers, il y a des affaires vraiment full fancy, cute. Ouais. Moi, j'aime vraiment cette année, dans les ajouts, la cloche des romages de Alessi. Belle, hein? Ils ont toute une belle collection avec plein de trucs de Noël. Ça, c'est une poubelle de Disneyland. Ils vendent ça dans la boutique de cadeaux. Là, je pensais comme ça, genre en Autriche. Ben, c'est aux couleurs de la Suisse parce que okay. c'est le. Est-ce qu'il y a marqué le Matterhorn, genre? C'est comme le. Tu sais, le manège qui est comme une montagne suisse, là. C'est okay. une montagne russe, dans le fond. Fait que j'avais bien aimé ça quand j'étais allée dedans, fait, j'avais acheté ça. Joli. Puis j'ai celle qui est dans mon, mon intro de mes vlogs. Non, mais elle est ici. C'est Jack Skeleton. On le voit pas dans l'intro, mais son bonnet est comme tout brillant. Sparkly. Ouh, Sparkly Jack! Christmas. C'est comme un tour du sapin. Ah, puis ça aussi, j'aime beaucoup ça, les glaçons. Ça, ça venait de chez Crate & Barrel. Puis ça, c'est mes boules préférées. Puis je les ai achetées il y a 2 ans chez l'abbé. Ah, ça, c'est vieux, là. Ça, c'est du vintage. Oui, j'avais ça chez nous. Ils sont pas à moi, en fait. Celles-là, c'est Patrick qui m'les a prêtées, là, 5 ans, puis je pense qu'il a oublié. Parce que tu ouvres ton pétard. C'est le pétard. Tu as choisi le pétard de Stan. L'Occitane ou l'Occitane? Je pense que c'est Occitane. Je dis tout le temps. Oui, en Provence. Donc nous avons... Comme si j'avais 40 ans. Hey! Cube de bain bonne mère à l'olive. Ouh! Je vais mettre dans une poche. In your pocket. Amande. Huile douche. Oh, amande. Nice. Miam, miam. Ah, amande. Main à croquer, hydrate et lisse, boulet d'amande. Parfait, ça. Mais c'est-tu cute? Ben, vraiment, là, j'adore ça. Au bureau, là, où tu sors ça du sac à main. Oui! Such hydratation. Oh, on va prendre un autre petit verre de vin dans le fridge. On s'est commandé des sushis, finalement. Au début, on voulait faire comme vin fromage, mais on filait plus léger. Et justement, et juste comme je disais ça, mon téléphone a sonné pour le sushi! Fait qu'on va manger nos sushis en regardant au melon, ça va être malade, sauf festif. Bon, j'ai mis le sushi dans les petites assiettes, c'est tellement plus swell comme ça que dans ce plat-lait. Une petite tentation!
11h30, c'est vraiment le fun de regarder Home Alone puis manger des sushis avec Gabriel. J'aime ça, des petites soirées comme ça. J'en fais pas souvent chez nous. Je suis souvent toute seule chez nous, finalement. J'ai pas tant d'amis dans le bloc, là. Fait que, ben, en tout cas, j'ai des amis, mais pas du monde qui vient de chiller. Gabriel, elle habitait dans mon bloc avant, puis c'était vraiment le fun. Je m'ennuie de cette époque-là. J'ai fait une gaffe hier. J'ai uploadé ma vidéo, puis que je devais le mettre ce matin. Puis je l'ai publié pendant 3 secondes. Fait que ça l'a envoyé la notification à tout le monde. Puis là, tout le monde venait voir, ça marchait pas. Fait que là, j'ai comme la moitié moins de vues que d'habitude. Fait que allez voir ma vidéo de ce matin, là. Elle est nouvelle, là. Puis en plus, j'ai pas mis ma face sur le cover, sur le thumbnail. Fait que là, les gens voient pas que c'est ma vidéo. En tout cas, je pense que j'étais encore bien mêlée de tous les médicaments, puis les pilules, puis les piqûres que j'ai eues à cause de mon traitement de canal. Mais ça va bien aujourd'hui. Fait que je suis contente. Puis c'est ça, on est vendredi, puis j'ai comme pas de plan pour le week-end, ça m'arrive jamais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller magasiner. Je sais que c'est fou, c'est comme la pire fin de semaine pour magasiner. Mais j'ai vraiment le goût d'aller juste shopper, puis prendre un peu d'esprit des fêtes, là, même si... justement, dans le fond, parce que moi, j'ai pas de rush, puis j'ai plus de cadeaux à acheter, ben, tu sais, c'est pas stressant, là, aller magasiner, même s'il y a bien du monde. Puis, ouais, je vais peut-être faire ça. Peut-être plus dimanche, je sais pas, demain, j'ai le goût de me reposer, là. Puis, sinon, j'aimerais ça aller au cinéma, peut-être, je sais pas, on va voir. Mais ça va être tout pour aujourd'hui, en tout cas. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, puis de vous abonner. À demain! Bye YouTube, c'est le fun! Ça, c'est celle qui est comme au sapin. Ouais, note de fumée, mais c'est le party de l'autre côté.